nous sommes à la suite quand même de la tournée initiée depuis 48 heures, donc qui devait permettre de nous rendre dans les 3 départements de la région de Kies. Et ceci, effectivement, c'est pour faire suite au conseil présidentiel qui s'était tenu au mois de février dernier, où le président de la République avait engagé le gouvernement du Sénégal à diligenter la mise en œuvre au niveau de la région de Kies pour répondre aux attentes et aux aspirations des populations en matière de meilleure prise en charge de la gestion des déchets en particulier, mais aussi des questions environnementales en général. Donc sur ce, donc, on avait rencontré les autorités donc, et aujourd'hui le plan d'action qui était arrêté est en train d'être mis en œuvre. Donc nous aussi en tant que directeur du port Mojette, il était de notre devoir quand même de nous déplacer encore pour venir apprécier l'état d'avancement des activités, mais aussi surtout apprécier la qualité des travaux. Donc depuis lors quand même, il faut reconnaître que les collectivités territoriales ont bien voulu mettre à la disposition du port Mojette des sites pour accueillir les infrastructures structurantes, mais aussi les infrastructures intermédiaires comme les points de regroupement normalisés. Au niveau de la région de Kies, nous avons entamé la construction de 63 points de regroupement normalisés, précisément 15 au niveau du département de Mbou, du département 15 au niveau du département de Tiwaron, répartis dans 5 communes. La commune de Tiwaron, la commune de Pire, la commune de Ngaïméré, la commune de Mboro et la commune de Chériflo. Nous avons visité les travaux en cours et effectivement nous avons bien apprécié la qualité, mais surtout pour nous l'occasion devait nous être fournie pour insister sur l'urgence à diligenter les travaux de finalisation. On voit nettement que les travaux sont exécutés à plus de 60%. Donc pour l'essentiel, il reste juste des travaux de finition. Vous pouvez le constater, c'est des travaux de peinture et de finition qui restent. Donc l'entreprise va prendre les diligences utiles pour les... Là, au mois de septembre, quand même, les premières infrastructures seront livrées. Donc on va insister pour démarrer d'abord sur les infrastructures de Tiwaron qui effectivement peuvent être livrées avant le Gamou. Pour la décharge de Tiwaron, donc c'est une décharge sauvage, donc qui ne répond pas aux normes d'exploitation. Mais en attendant la finalisation du CIVD de Tiwaron qui était en cours de construction, donc nous avons voulu réaménager la décharge sauvage, donc en aménageant la piste, mais aussi la plateforme de déchargement, et mais aussi un mur de clôture qui est en cours de construction. Tay dama ñew Tiwaron pour némer ko quand même liguey bu pont Mojette nek di def fi ci Tiwaron. Donc actuellement ñu ngi construire fuk ak djuroom point de regroupement normalisé, ñu def ko ci djuroomi commune, muy commune de Tiwaron, de Ngaïméré, de Pire, de Chériflo et de Mboro. Donc ma ñewon némer ko xol qualité travaux yi pour vraiment limu fi dis comme ay travaux mu mëna joxe instruction entreprise mu mëna livrer vraiment des travaux de qualité, mais surtout quand même ma ñaax entreprise bi pour que mu gawal baral liguey bi pour que quand même septembre au moins suñu wadjol gambu gi ñu mëna livrer premier père ni fi ci Tiwaron. Maintenant yu dess au mois d'octobre mëna finaliser quand même les 15 père ni nga xam mom lañu nekk di tabax fi ci Tiwaron, mais surtout les 63 père ni nga xam ni mo nekk ci région de Kies bi. Lool yépp c'est à la suite quand même conseil présidentiel bi fi amone au mois de février dernier où président de la République jëlon engagement ñu mëna diligenter mise en œuvre projet bi fi ci Kies. Effectivement lool tam tambalé nañ liguey bu nekk ci décharge de Tiwaron bi, donc décharge sauvage là. Donc ñu aménage une piste d'accès pour faciliter camion ñu mëna dugg ba ci biir, ñu aménage de plateforme pour yombal effectivement tout mbalit bi, mais aussi ñu ngi fay tawax ben mur de clôture aussi pour ceinturer décharge bi parce que décharge day mag rek, donc ñu bëggone ko limiter. Donc liguey bobu aussi c'est en cours, donc ça aussi tamit entreprise ñu ngi koy ñaax aussi bu bagal liguey bobu aussi tamit.